Il n'y a pas de plus grand péché que de désirer, ni de plus grande misère que de toujours vouloir plus. Ce verset souligne le danger de la convoitise et du désir sans fin. Il nous dit que le fait de désirer constamment et d'être toujours insatisfait est une source de souffrance et de détresse. Il nous invite à réfléchir sur les conséquences négatives de la convoitise et du désir excessif. Lorsque nous sommes obsédés par le désir de toujours vouloir plus, nous sommes piégés dans un cycle sans fin de désirs insatisfaits. Cela crée une insatisfaction permanente et nous empêche de trouver la paix intérieure et le contentement. Le verset nous rappelle que le désir sans fin est une forme de souffrance en soi. Il souligne l'importance de cultiver la gratitude pour ce que nous avons déjà et de trouver la satisfaction dans le moment présent. En nous détachant du désir insatiable, nous pouvons trouver un état de paix et de contentement. Cela ne signifie pas renoncer à tout désir ou ambition, mais plutôt trouver un équilibre et une harmonie dans nos aspirations et apprécier ce que nous avons déjà. En résumé, ce verset nous invite à nous méfier de l'avidité et du désir excessif. Il nous rappelle que le bonheur et le contentement ne sont pas liés à l'accumulation constante de biens matériels ou de succès, mais à la capacité de trouver la satisfaction et la gratitude dans le présent.